Chers amis démocrates-africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très belle journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo. Et voilà, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous sommes au 17 septembre 2019. Beaucoup d'informations. Mais vous savez que nous sommes dans la course des informations que nous réserve l'homme puissant du Canada. Le B-Vitré ne peut pas laisser couler les informations comme ça. Nous sommes là pour renforcer le message à notre peuple. Mais il ne s'agit pas seulement de renforcer le message au peuple, mais une façon aussi d'éveiller à la jeunesse congolaise, que la jeunesse comprenne que le pays est foutu. Il va falloir que nous trouvions des mécanismes pour apporter des réparations. Avant que nous ne rentrons dans le vif de notre sujet, nous voulons rappeler aux Congolais du Congo-Brazzaville, aux Congolais de la République démocratique du Congo, aux Centrafricains, aux Gabonais, aux Camerounais, aux Tchadiens, aux Sénégalais, aux Guinéens, bref, à toute l'Afrique, l'Afrique francophone. N'oubliez pas que ce vin, qui est ce vendredi qui vient, je vais simplement confirmer. Oui, c'est bien ce vendredi, nous sommes à mardi, mais ce 20, il y a un procès de la France-Afrique contre notre frère Ayatonga, Isidore Ayatonga. Ça va se passer au Grand Tribunal de Paris, je crois que c'est la 17e cour, je crois bien, la 17e chambre, hein, au Tribunal de Paris. Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre. C'est à 12h. À 12h. Allez-y là-bas, chers amis africains. C'est un procès politique. Bernard Scrocchini fut un ancien, l'ancien patron du service secret français. Il est en train de poursuivre le Congolais, le résistant Isidore Ayatonga. Nous connaissons tous Isidore Ayatonga. Allez-y, Google, vous qui ne connaissez pas Isidore Ayatonga. Allez-y Google, vous allez voir toutes ces publications, ce qu'il fait pour le Congo, pour ce qu'il fait pour l'Afrique. On le poursuit par un ancien patron du service français et du service secret français parce qu'il a dénoncé le système de la France-Afrique. Donc on vous demande d'aller le soutenir en masse, que ce jour-là, le tribunal de Paris, ce 20 septembre, donc ce vendredi qui vient, à midi, 12h, l'heure de Paris, que ces juges français-là puissent comprendre que l'Afrique est debout, que le tribunal, le grand tribunal de Paris, la 17e chambre, puisse être remplie des Congolais, remplie de tous ces Africains pour supporter le fils d'Afrique qui va mener donc un procès contre le système de la France-Afrique. Pour ceux qui sont habitués à partager, faites ce voyage, réservez un petit 1 euro pour essayer de mettre dans cette petite cagnotte pour essayer d'aider ce frère aussi à payer tous ses avocats. Hein, tous ses avocats, vous qui n'avez pas eu l'opportunité de faire ces dons en ligne pour le supporter. Mais vous pouvez être accompagné d'un euro. Hein, donc vous payez votre ticket de métro, mais mettez un petit euro. On pense que vous pouvez aussi aller mettre comme votre contribution pour essayer d'aider ce frère africain qui va faire face à la puissance de la France-Afrique, mais nous, en tant que le bas peuple, le peuple qui souffre, on peut leur démontrer que par le nombre, par notre petit 1 euro qu'on peut donner à ce frère, dans cette petite cagnotte pour aider ce frère, oui, aider aussi hein, tous ces résistants, ces petits groupes de la résistance de la place de Paris. Donc, n'oubliez pas, ce vendredi qui arrive, ce 20 septembre, au Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre, à 12h, heure de Paris, Isidore Ayatonga fera face à Bernard Scrocchini, ancien patron des services secrets français. Vous voyez que, excusez-moi, voilà, donc Isidore Ayatonga fera face à tous ces puissants de la France-Afrique. Donc, allez-y le supporter. Votre présence est souhaitée, chers amis. N'oubliez pas, un Africain qui est poursuivi par la puissance France-Afrique, mais il va falloir que nous puissions leur démontrer par notre nombre
que nous ne sommes pas ébranlables, que nous sommes là pour assister les nôtres. Voilà, donc je pense que le message est passé. Pour ceux qui veulent aussi donner un petit 1 euro dans cette petite cagnotte pour essayer d'aider ce frère, aider aussi tous ces groupes, ils peuvent toutefois le faire aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire, comme on le dit, volontaire. Mais ce que nous souhaitons, que vous puissiez envahir cette chambre-là, la 17e chambre-là. Que ces gens racontent, c'est juste là où ils arrivent, ils vont se dire, merde, c'est toute l'Afrique qui se retrouve ce jour-là. Et je crois même que ce juge peut dire, non, moi j'annule ce procès. Hein? C'est ça le souhait. Parce que si vous êtes tous là nombreux, ça va faire des échos. Hein? La présence, souvenez-vous, le nombre est très important dans cette lutte. Si tous les Africains de France ou de Paris vont se déplacer dans cette chambre, la 17e chambre au grand tribunal de Paris, je suis très convaincu que l'écho va résonner fort. La magnitude, hein, la magnitude de l'onde de résonance, comment dire en termes physiques, ça va résonner partout. Ça va secouer les dictateurs pour dire que l'Afrique est en éveil. Donc vous voyez que nous souhaitons que tous ces Congolais de Paris, vous avez encore le temps, pour ceux qui peuvent demander la permission au travail, demander la permission, nous sommes encore à mardi. Le procès commence ce vendredi, ce 20 septembre, au Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre. Allez-y là-bas massivement pour montrer votre indignation contre ce système de la France-Afrique qui sont en train de poursuivre les petits gens comme nous qui sommes en train de dénoncer. Voilà, je pense que le message est passé. Pour ceux qui veulent aussi faire le don de 1 euro, peuvent aussi arriver à le faire. Qui peut localiser le lieu? Voilà, donc nous demandons à ceux qui... Bon, il s'agit de donner l'adresse. Bon, écoute, mon frère Georges Tiba, si vous rentrez dans Google, je vois que tout un chacun de nous peut utiliser Google, allez-y dans Google, tapez le Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre, je crois que l'adresse va sortir. Hein. Je n'ai pas envie de faire cet exercice, mais tout un chacun de nous a un téléphone intelligent. Grand Tribunal de Paris, il n'y a pas plusieurs tribunaux, Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre, c'est là que ça va se passer. Et c'est à midi, ce vendredi 20 septembre 2019, au Grand Tribunal de Paris, la 17e chambre, à partir de midi. Quand on dit midi, c'est midi, hein? Parce que chez les Africains, quand on dit midi, c'est 18h. Non, l'heure, c'est l'heure, parce que les gens passent à la queue leu-leu. Vous connaissez, hein, chez le blanc, l'heure, c'est l'heure. Midi, paf, ça commence. Donc, allez-y là-bas, en masse, hein, parce que le nombre compte. Ça va faire sonner, ça va, l'onde de résonance ou l'onde magnétique va arriver à mener, arriver dans tous les bâtiments des États où nous avons des despotes, où nous avons des dictateurs.